La maison des jeunes de Dimboli a abrité ce jeudi 11 juin 2020 une réunion mensuelle de coordination entre les différents acteurs communautaires intervenant dans le secteur de la santé dans la commune. Cette réunion poursuit des objectifs clairs pour une meilleure prise en compte de l'offre de santé au profit des communautés. On a une réunion de coordination, c'est au moment où on doit partager beaucoup d'informations par rapport à la santé, sur les activités qu'on doit mener, surtout avec l'approche de l'hivernage. Surtout aujourd'hui, c'est un moment important. Souvent avec l'hivernage, à préparer les activités concernant les campagnes des CPS contre le paludisme. Tout récemment, on est sorti de la campagne AID, aspersion interdomiciliaire, qui a fait un impact important. On est presque à 91%. C'est une activité qu'on organise la première fois dans la commune. C'est important par rapport à 91% là, ce pourcentage-là. On doit mener encore, Inch'Allah, dans l'avenir, la campagne CPS contre le paludisme, c'est les enfants de 3 à 10 ans. On doit recycler encore les 10 dons par rapport aux différentes stratégies concernant la prévention et la prise en charge du paludisme à domicile. À cause de la modicité de leurs moyens, beaucoup de femmes éprouvent des difficultés à bien s'occuper de leurs problèmes de santé. Malgré sa ferme volonté, la sage-femme a du mal à offrir ses services à ces femmes en détresse. Les femmes soulignent aussi le manque de moyens financiers. Elles soulignent aussi la distance, il y a plus de 15 villages qui se trouvent à plus de 5 km du poste. Donc ça pose un peu de problème. En tant que sage-femme, dans les normes, je dois sortir pour faire des stratégies avancées. C'est-à-dire partir au niveau des zones qui sont à plus de 5 km. Maintenant, pour leur offrir peut-être les services CPN et postnatal, peut-être accouchement. Nous avons des problèmes pour le moyen de déplacement. C'est pourquoi ces réunions de coordination mensuelles restent des occasions formelles pour sensibiliser les acteurs communautaires sur l'importance de la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. Chaque mois, on a lié une cible annuelle et une cible mensuelle. Et chaque village, on a séparé et on a donné la population exacte de la population de chaque relais. Et chaque village a un cahier de village qui permettra au relais de capitaliser en même temps, de connaître l'état de santé des enfants dans sa zone de responsabilité. La faiblesse des déplacements de la sage-femme vers les femmes enceintes dans leur village respectif et des femmes enceintes vers le poste de santé n'est pas sans conséquence. L'autre problème aussi, c'est la couverture normale en CPN et en postnatal aussi. Presque, il n'y a que 5% de femmes qui respectent correctement leurs 4 visites et aussi les 3 visites après accouchement. Ça aussi, c'est un autre problème. Grâce à l'accompagnement du maire de la commune de Dimboli et à l'engagement des acteurs communautaires, la plupart des problèmes sanitaires identifiés sont atténués. Avec l'hivernage, ce n'est pas facile parce qu'il y a certains qui sont dans les champs et certains qui ont des préoccupations. Mais heureusement, il y a une compréhension entre les agents sanitaires, soit les acteurs communautaires et les personnels de la santé qui sont dans la commune. On n'a pas beaucoup de difficultés. Sincèrement, dans la commune de Dimboli, le maire nous a donné une dotation de 3 millions de médicaments par rapport à la fonds de dotation. Ça, moi, c'est à saluer.